Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce protège-carnet de santé. Pour le réaliser, il vous faudra deux rectangles de 18 cm sur 24,5, un carré de 14,5 de côté, 4 bandes de tissu de 4 cm de large, une de 16 cm de long, deux de 20 cm et une de 24 cm. Deux triangles rectangles de 34 cm sur 25,5, un dans le tissu à motif et un dans le tissu uni. Deux bandes de 4 cm de large sur 44 cm de long. Deux rectangles de 24,5 sur 16 cm. Un rectangle de 34 cm sur 24,5. Sur un des morceaux de 18 cm sur 24,5, je viens placer un repère à 10,5 sur le côté le plus long et un repère à 6 cm sur le côté le plus court. Je reprends mon carré et je viens le positionner par-dessus, en diagonale, et ça doit dépasser d'environ 1,5 cm de chaque côté. Une fois qu'il est épinglé, je viens retirer mes épingles qui me servaient de point de repère. Il est en place pour la suite. J'ai repris mes bandes et je suis venue les préparer en repliant 1 cm de chaque côté à la façon d'un biais plat. La plus petite des bandes se place en bas, côté repli, en dessous, et ça doit être à cheval entre le bord du carré et le tissu. Je l'épingle. Et je vais venir l'appliquer à 1 mm de chaque côté. Et je viens couper ce qui dépasse. Je viens maintenant placer une bande de 20 cm de l'autre côté. De la même manière. Je viens placer l'autre bande de 20 en bas, à cheval sur les deux. Thank you.
Et là, il faut également couper ce qui dépasse. Il reste la plus grande bande à venir mettre en place en haut. Et là, ça va recouvrir le carré et continuer ici. Et on coupe ce qui dépasse. La face avant du protège carnet de santé est prête. On vient assembler les deux triangles rectangles dans le sens de la diagonale endroit contre endroit. Je viens bien ouvrir la couture. Je vais aller préparer mes bandes de 44 cm comme pour la partie avant. Je les ai donc repliées 1 cm de chaque côté à la façon d'un billet plat. Je viens placer la première sur l'assemblage de mes deux triangles rectangles, bien au centre, et je vais piquer de chaque côté. Je viens placer la seconde en travers et je la pique. Il faut d'abord l'épingler aux extrémités et ajuster ensuite. Je viens ensuite couper ce qui dépasse. Et il faut diviser cette partie en deux, donc on la replie. Donc dans le sens le plus long et on va venir couper sur la pliure. Et on va obtenir ainsi la face avant des rabats du protège carnet de santé. Pour confectionner les rabats, il faut assembler un des rectangles de 24,5 sur 16 avec une des parties qu'on a confectionnées. Endroit contre endroit, on assemble sur toute la hauteur. Il faut assembler les côtés opposés.
Quand on va ouvrir, on aura un rabat comme ceci et l'autre rabat comme cela. Pour finir les rabats, on va venir faire une surpiqûre sur toute la hauteur au bord en laissant 1 mm de la couleur du sous-rabat passer sur le devant. Et là, nos deux rabats sont prêts. Je reprends le deuxième rectangle de 18 cm sur 24,5 et je vais l'assembler avec la partie avant. Ce côté ici. Donc endroit contre endroit et on assemble sur toute la hauteur. Alors j'ouvre bien la couture et je vais venir faire une surpiqûre de chaque côté à 1 mm. On prend le rectangle de 34 sur 24,5 et on vient y placer les rabats couture vers l'intérieur. Et on les épingle. Ensuite, je viens superposer la partie extérieure. Endroit contre endroit, attention au sens des motifs. Et j'épingle le tout ensemble. Il faut venir assembler tout le tour en laissant une ouverture en bas de 8 cm. Avant de retourner, je viens dégarnir les angles. Et maintenant, je retourne. Je ressors bien les angles avec un ciseau à bout rond. Le protège-carnet de santé est retourné. Il reste à fermer la petite ouverture en bas, soit par un point à la main, soit avec un point à la machine. Une fois cette dernière piqûre faite, votre protège-carnet de santé est terminé. À vos machines!